Comment ça va? Ça va. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire du slime. Oui, tu vas faire du slime comme Athéna l'a fait il n'y a pas très longtemps. Souvenez-vous, qui était petit, on va à droite. Elle avait fait un slime galaxy. Le slime galaxy qui est dans cette boîte. Voilà, on continue de jouer avec de temps en temps. C'est plutôt sympa. Et là, toi, Calice, tu vas faire le slime licorne. C'est écrit ici. Et le slime licorne, en fait, est un slime fluffy. C'est dur à dire. Le slime licorne est un slime fluffy. Le slime licorne est un slime fluffy. Du slime fluffy avec de la mousse à raser. Donc tout est là-dedans, en fait. Voilà, il n'y a besoin de rien d'autre. Tu peux ouvrir ton kit à slime. Bon, il y a quand même besoin de bol et puis de cuillère et puis un petit peu d'eau. Voilà, mais c'est tout. Vraiment, tout est dedans. Il y a la colle, il y a la mousse à raser, il y a le borax qui est un peu pareil que le dacryosérum pour éviter que ça colle. Il y a le colorant, bien sûr, et puis voilà. Il y a aussi le tuto. En tout cas, nous, on remercie la petite épicerie qui nous a envoyé, voilà, gracieusement, ces petits kits. Et c'est avec un plaisir beans, qu'on va faire du slime. Un petit pince, ça, c'est un petit écusson. Un petit mode d'emploi, je crois. Plutôt. Il y a la boîte, la petite épicerie. Ça, c'est quand tu as fini ton slime. Pour pas que ça sèche, tu l'arranges bien dans la boîte. Il y a des petites paillettes bleues. Oui, des petites paillettes. Il y a du bleu, du noir et du rouge, je crois. Ça, c'est le colorant. Il y a les petites gouttes. Les petites gouttes, voilà, pour empêcher que ça colle. Il faut secouer, comme la chantilly. Oui, ça, c'est la mousse à raser. Et voilà. De la colle Cléopâtre. Et la colle, hey, c'est pas la colle transparente comme pour Athéna, c'est la colle blanche, mais ça reste la colle Cléopâtre, c'est la colle idéale pour faire, eh bien, du slime. Coupé. On y va? Alors, dis-nous ce que tu vas faire avant. Bah, il faut déjà, on commence par mettre un peu de colle dans les boboles. Exactement, en fait, tu mets toute la colle dans les bols, mais tu répartis bien en trois parts égales. Alors, c'est parti. Déjà, je vais commencer par faire un petit fond. Waouh, c'est rigolo. Oui, joli. Et ça sent bon, hein. C'est une colle qui sent bon. Bah, c'est normal. Elle sent quoi? On dirait qu'elle sent cola. Elle sent la patate. Et à la fin de la colle, ça va faire prout. Oh, ça fait prout. Et voilà. Ok, c'est à peu près égal. Ensuite, étape numéro 2, ok. Alors, étape numéro 2, tu mets 2 cuillères à soupe d'eau dans les bols. D'accord. À soupe ou à café? Bah, je sais plus. À soupe, à café, tu crois. D'accord. Une. Une. Deux. Deux. Ok. Pareil pour le deuxième. Une, deux. Deux. Et pareil pour le troisième. Une. Et deux. Voilà. Et après, il faut mélanger, je crois. Et après, on mélange, vas-y. Donc, toi, t'as une cuillère par bol. Bon, pour l'instant, c'est pas très grave parce que c'est la même chose, mais quand il y aura des couleurs, ça sera différent. Ça y est. Ok. Les colorants. Donc, on va faire quoi? On va faire une couleur rouge. Une couleur bleue et une couleur violette. Bah voilà, en mettant du bleu et du rouge, ça va faire du violet. D'accord. Ah, du sang. J'ai du sang. Alors, tu veux que je t'aide? Ah oui, en plus mon doigt il est tout rouge. Oh non, tu saignes, Calice. Mais non, accident. 2, 3, 4, 5. Oh, c'est dur. 6. C'est très très dur. Ok, tu peux mélanger. Oui. Oh, ça fait du rose, c'est rigolo. Ah non, ça fait du rouge. En tout cas, ça colore bien. Ouais. Un joli rose, comme ton t-shirt en fait. Ensuite, le bleu. 1, 2, 3, 5, 6. Voilà. Oh, il est joli le bleu. Oh, c'est beau. Trop joli. Ça a l'air de te plaire en tout cas ce tuto pour l'instant. J'espère que ça va bien marcher. Et ensuite, je te mets 3 gouttes de rouge et 3 gouttes de bleu dans le troisième. Ok, du bleu. Un pour toi, un pour moi, deux pour toi, deux pour moi, trois pour toi, trois pour moi. Et après, tu rajoutes soit du bleu, soit du rouge en fonction de ton violet, s'il paraît trop bleu ou trop rose. Oh, c'est bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc.
un joli violet. On chante la Marseillaise. Allons enfants de la patrie. Ah oui, effectivement, c'est un peu bleu là. Est-ce que tu veux un petit peu de rouge? Oui. C'est du bleu. Hop, j'en ai mis deux. C'est pas grave. Du coup, là, ça va peut-être être un peu plus gros rouge. Regardez. Là, c'est pas mal. C'est bien violet là. Voilà, on a fait un beau, beau violet. Ok, ça te va? Ensuite, alors la mousse à raser, quelle quantité? Autant que de mousse à raser que de colle. D'accord, autant de mousse à raser que de colle. Au début, c'est toujours dur, c'est normal. Alors, ce qui vient, on dirait de la chantilly. Ouais. Ok. Ok. Waouh. Donc maintenant, tu remues tout ça. Oh, ça fait de la mousse à raser rouille. On dirait une île flottante. Donc là, par contre, ne mets pas les doigts, parce que pour l'instant, c'est très collant, il n'y a que la colle. Après, on va mettre le bourrasque. Et voilà. Et franchement, c'est super pratique le kit, parce que, vous voyez, on n'a rien acheté en plus, quoi. Si, donc les bols. On peut pas le rater, en fait. J'en avais essayé des méthodes, tu te souviens, Caïs? J'avais essayé des... J'ai vu plusieurs méthodes, donc j'avais essayé de la pâte Fimo qu'on met pas au four, hein. J'avais essayé de la pâte, une sorte de pâte à modeler, j'avais fait plusieurs sortes de colle, j'avais essayé du shampoing, j'avais essayé plein de trucs, ça marchait pas comme je veux, c'était trop collant ou trop liquide. Et en fait, la solution, c'était en fait la colle Cléopâtre et le borax ou le dacryosérum. Et là, c'est la formule magique, quoi. Et en plus, avec le kit, les quantités sont là, on peut pas rater. Et les paillettes, on les met quand, en fait? J'y vais. Si tu veux, ouais. Eh ben on va mettre dès que tu verses, ça sort très facilement. Donc à toi de voir si tu veux faire que du bleu dans un, ou que du rouge, ou un mélange. Tu vois, ça sort vite. Hein. Donc tu mets le bleu dans le bleu. T'en regardes un peu aussi pour le troisième, ouais. C'est pas beau. Tellement pas été, hein. Oh, 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 oh. Là, c'est... Oups. Wow. Je pense que là, ça devrait aller. Et un tout petit peu dans le rouge. Voilà. Juste un petit peu. Mais c'est tout. Tu fais comme tu veux. C'est ton slime. De tout. La Catena, je l'ai beaucoup aidé, mais là, c'est ton slime. Donc après, si tu rates, c'est de ta faute. Et si tu réussis, c'est grâce à toi. C'est de ta faute. C'est de ta faute aussi si tu réussis. Mais si tu as besoin d'aide, par contre, tu me demandes. Je suis là pour ça. Oh, les petites paillettes roses. C'est trop cute. Donc là, les petits copains se demandent, mais pourquoi on fait trois bols, trois couleurs? Bah, d'abord, c'est pour que ça soit joli, parce qu'après, on va faire trois petites boules de pâte slime, et après, effectivement, on va les mélanger, donc ça va faire des arcs-en-ciel. Bon, après, ça va faire une pâte d'une seule couleur. Mais au début, ça va être très joli. Et voilà, les gouttes pour les yeux. Donc là, pour l'instant, on dirait de la crème, donc ça, on peut pas faire de boule avec. Mais quand on va mettre le borax, c'est là que la colle va... Elle va se ramasser, elle va plus coller au bol, et là on va pouvoir vraiment faire une pâte. Mais la moitié du truc carrément, pas quelques gouttes, la moitié, vas-y carrément. Voilà. C'est vraiment ça qui va faire que là, ça va arrêter de coller. Bah, c'est bon. Là, tu vas voir, c'est assez magique. Tu vois. C'est assez magique. Donc là, je mets tout le reste. Ouais. Oh, on dirait les petits trous, c'est rigolo. Je vais t'aider à remuer. Voilà. Après l'idée, tu vois, c'est vraiment d'essayer de décoller le slime du bol. Ça colle beaucoup, beaucoup. Pour l'instant, ça colle beaucoup. Pouch, pouch. Oh, un gros trou. Elles sont jolies, hein. Là, puis celle-là, le bleu avec les paillettes bleues, c'est top. Trop top. C'est top, top. Ouais, celle-là, elle commence à être pas mal. Hein. Attends, je vais peut-être pour remuer, parce que c'est pas évident. Remuer les trois en même temps, c'est compliqué. Ah ouais, celle-là, elle est pas mal du tout. Hein. La bleue, elle est pas mal.
Ouais, pas mal, bravo. Oh, ok, là, là je l'ai. Je vais remettre un peu de truc. Voilà, ça devrait aller, je pense. Ah, ah bah voilà. Voilà. Ok. Donc là, t'as pas ta main à la barre, je la remets encore. Là, ça marche très bien. Oh, regardez-moi ça. Essaye de le prendre dans ta main. Tiens, commence par le bleu. On lave. Vas-y. Par contre, essaye de faire une boule plutôt. J'essaye. Non, faut vraiment que tu ailles avec le bout des doigts. Que tu essayes de faire une boule. Ok. Ok, là, c'est un peu mal parti là. Attention, tiens le doigt. Tu me passes un peu de truc pour les yeux. Alors. Vas-y. Ah, c'est déjà mieux. Et plus ça va avec le temps, et plus ça va être facile à malaxer. Oh, je suis un monstre. Voilà, je suis en train de faire avec la pâte rose. Et on fait un petit coucou à Maureen, la cousine, puisqu'elle est en Australie pour 3 mois. Ah bon ? À l'autre bout du monde, pour ses études. Voilà, elle a raison. Elle allie le travail. Et le plaisir, le voyage, voilà, différentes cultures. Ah. On fait un gros bisou, même si elle regarde pas cette vidéo en Australie, mais c'est pas grave. Hop, on pense à elle parce qu'elle a trop de chance. Bon, on continue à axer et on se retrouve quand la pâte ne colle plus ou presque plus aux doigts. On va la laisser un petit peu aussi reposer, voilà. Parce que c'est aussi en séchant que ça permet de moins coller. Ah, c'est des spaghettis. Donc là, ça commence là à être pas mal. Ça colle encore, hein, mais au fur et à mesure que ça sèche, regardez, ça colle plus au bol déjà. C'est bon signe. Pour le bleu, c'est pareil, regardez. Ça colle plus au bol. Très bon signe. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne avec la pâte que j'ai faite. Athéna. Voilà, ça fait déjà quelques jours, donc elle a séché un petit peu malgré la boîte. Et là, on est carrément sur un truc qui colle plus du tout. Hein. Tu vois la différence? Et ça va donner ça aussi pour nos pâtes. Voilà, ça va donner un truc comme ça. Mais par contre, ça, là, comme elle a beaucoup séché, elle casse facilement. Mais ça fait une sorte de pâte à modeler rigolote. Alors, on va continuer de se concentrer. Une pâte à modeler gluante. Au niveau du violet, on a mis, on l'a fait après, donc ça va être un petit peu plus long. Ça colle encore pas mal. Ah, c'est rigolo. Et wow. Puis voilà, on se retrouve donc quand nos boules seront parfaitement bien et presque plus collantes, même si ça colle toujours encore un petit peu le premier jour. Yeah. Et voilà, Calice, quelques temps se sont écoulés, on va dire à peu près à 1 heure, parce qu'on est sorti, on a laissé reposer, après j'ai racheté quand même un petit peu d'acryocérum, c'était juste pour la pâte rose. J'arrivais pas à la voir, soit elle était trop collante, soit elle était pas assez collante, et du coup là, j'ai racheté un petit peu d'acryocérum pour la pâte rose, mais là... Voilà, là on est bien, alors vas-y, montre indépendamment les pâtes, tu peux les mettre, tu peux les prendre avec les doigts, mais attention, pas trop non plus, parce que ça colle peut-être encore un petit peu, faut que ça sèche encore un petit peu, mais au moins tu peux, voilà, ne fais pas les boules de neige, ah, là, comme ça, ça va coller. Donc ça c'est la pâte bleue, mais tu vois, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas de la pâte bleue, hein. C'est la c'est pâte violette. Oui, la pâte violette, ok. Après, il faut les mélanger. Ok, on peut les laisser sur la table, il n'y a pas de problème, parce qu'on va les mélanger après. Comme dit Athéna qui nous regarde, notre spectatrice. Ensuite, la pâte rose. Tu me diras laquelle est la mieux. La pâte rose me semble pas mal du coup. J'ai eu du mal avec la pâte rose, mais là maintenant je trouve que c'est la mieux. Merci Athéna. Oh, elle est toute gluante. Elle est pas mal celle-là. Hein. Là, elle colle plus du tout celle-là. Ouais, elle est même un peu trop. Trop gluante. Ouais, mais ça va sécher. Non, mais c'est bien. Ça fait, là, ça fait du vrai slime pour le coup. Ah non. elle est topissime celle-là. Ouais. C'est la mieux. Et après, la bleue. La bleue un petit peu comme la violette, on va dire. Voilà. Oh, c'est pas mal quand même. Elle est mieux que la violette? Ouais. Wouh! Ça fait des bulles. Alors vas-y. On va faire un truc joli. Je te l'air bonne. Hop. Attention de ne pas les mélanger tout de suite. Mais non, d'abord il faut. Ouais, tu peux faire des boudins. Effectivement. Rouler avec toutes les pâtes. Et 3 boudins. Donc. Alors, mademoiselle nous fait une baguette de pain. Ensuite, on la pose à côté. Ouais. C'est ça que tu voulais faire?
Calée, c'est ça que tu voulais faire? Bon, regarde, elle est mélangée, Thomas. Mais d'abord, un gâteau. Waouh, déjà ça commence à être sympa au niveau des couleurs. C'est joli quand même. Elle est mélange maintenant, Calice. Non, pas maintenant. Tu as fait différemment que toi, Athéna. Tu te souviens quand tu as fait ton slime, Athéna? La Calice a fait différemment. Mais voilà, c'est bien aussi. Il y a pas de... Chacun fait comme il a envie. Moi, donc, c'est quand même... Donc ça, c'est un slime licorne. C'est aux couleurs d'une licorne. Même si j'ai jamais vu de licorne, mais... Il paraît que ça ressemble à ça, une licorne. Oh, c'est drôle. Poch. Bah, c'est pas pareil. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit. Ensuite, on fait ça jusqu'à ce que ça soit mélangé. Et ben voilà, maintenant la pâte slime, elle est toute uniforme, elle est bleue. Voilà, parce qu'on a fait quelques photos pour la jolie vignette. J'espère que la vignette vous plaît. S'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu comme la pâte slime. Oh, une main! On se croirait dans le Ghostbusters. Donc voilà, en tout cas, c'est la pâte fluffy slime licorne et... C'est oui en kit, c'est en kit. Oh, il y a une main. Trop fort. Vous voyez, on peut pas rater la pâte slime dans ce genre de kit. Donc merci encore à la petite épicerie. Voilà, allez faire un tour sur leur site internet. Je vais mettre ça en description. Si vous voulez faire un slime facile, sans vous embêter à acheter les ingrédients séparément, là vous avez tout, c'est inratable et vous allez vous amuser. C'est drôle. Et après, bien sûr, quand on aura fini, il faudra le mettre dans la petite boîte. Voilà, pour pas qu'il sèche. Si tu veux jouer avec pendant plusieurs jours. Alors, pendant des mois et des mois. C'est anti-stress en plus. Hein. Fabrique une pizza. Oh non, mais j'en ai encore plein les doigts. Tiens, je te donne. Je veux de la... Qui veut une pizza? Hop là. Qui veut une pizza? Ah, moi je veux bien. Tu me fais une pâte à pizza? Une pizza quoi? Une pizza... Ah, c'est une pizza bleue, mais une pizza au schtroumpf, s'il te plaît. À la pastèque au schtroumpf? Ouais, bien ça. Ah bah, c'est ma préférée. Avec un peu de crème anglaise. Avec. Oh non. Bon, bah, elle fait une pizza. Voilà, c'est le pizza challenge avec une pâte slime. Voilà, bientôt elle va nous rajouter un hand spinner à l'intérieur et après on va faire un lava challenge, on va monter sur la table. On va mélanger tous les challenges en même temps, quoi, c'est ça? Et voilà. Avec. Oh non. Avec. Ça fait des dessins en même temps. Deux hand spinners. Oh. T'es rigolo. Ah, c'est rigolo. Ah bah ça, c'était pas rigolo, ça. Oh. Donc la pastèque, c'est le pins qui a été offert avec le kit. Et voilà, votre pizza. Oh, elle est trop bonne cette pizza. Miam, 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 et miam. La cerise sur le bouchon. Bah, je crois qu'on va bien se régaler. Donc, et ben voilà, Calice, je crois que tu t'amuses bien. Je pense que Athéna va bien s'amuser aussi avec ta pâte au slime. Voilà. Oh, oh, oh non, attention les cheveux. Alors, les cheveux, c'est horrible. Pour après nettoyer tes cheveux, tu vas galérer. Alors, attends. Oups. Oh là là là. Je suis Madame Bêtise. Et je fais toujours des bêtises. Oui, je sais. Bon, bah sur ces bonnes bêtises, Calice, cette fois, on se fait un gros bisou. Partagez, commentez, abonnez-vous. Et bien sûr, vivez vos rêves. À demain. Ciao. 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 Slime. Cake à la crêpe. Un cake à la crêpe. Ça s'appelle un pancake.